Madame Augustine, le point première. Bonjour mes chers Augustine et Augustin et bonne année. J'espère que l'année 2021 sera quand même un peu meilleure que l'année 2020. En même temps, je pense qu'on peut difficilement faire pire. Et donc je vous retrouve sur cette vidéo pour faire le point de mes prochains projets de l'année. Et donc je vais commencer d'abord par m'excuser profondément parce que dans ma première vidéo du point, j'avais annoncé la diffusion du reportage de TF1 qui suivait la réalisation de la robe de mariée Maud de Norvège, sauf que le problème c'est qu'ils ont tout déprogrammé à la dernière minute, ils m'ont prévenu quelques jours avant, et à cause du confinement justement, et j'ai su la nouvelle vraiment le jour même où j'ai diffusé ma vidéo. Du coup, sur le coup, je me suis sentie un peu bête, et donc voilà, ça a été déprogrammé. Donc si j'ai une nouvelle date de programmation, ben je vous le dirai pas. Simplement parce que j'ai peur de me ridiculiser, parce que je sais pas s'il va y avoir un autre confinement ou comment ça va se passer, ça peut être déprogrammé à la dernière minute, donc je pense faire une annonce en story le jour même ou la veille, comme ça je suis sûre de pas me tromper. Ensuite je vais vous parler des prochaines vidéos et collections de cette année. Donc cette année j'en ferai un peu moins, tout simplement parce que mon carnet de commandes est plein à ras-bord, il déborde, et donc vos commandes passent en priorité avant toute chose. Mais je vous ai quand même préparé une petite surprise, c'est une vidéo que je travaille et que je mûris dans ma tête depuis quelques temps déjà. Donc là pour l'instant je suis aux prémices de l'écriture, donc je la réaliserai avec la créatrice Céline qui a créé la marque Lily la Grisette. Vous la connaissez sûrement parce que je travaille déjà en partenariat avec elle pour les cotons démaquillants. Donc voilà, c'est une créatrice éco-responsable qui travaille sur tout ce qui est vrac, donc sac à légumes, cotons démaquillants, éponges et tout ça et tout ça. N'hésitez pas à aller voir ses créations, c'est des petites merveilles. Je vous mets sa page Facebook et son lien Instagram dans la description juste en bas. Je vais aussi continuer à faire des vidéos pratiques. Donc cette année je pense faire une vidéo pour vous montrer comment bien prendre vos mesures, parce que c'est des questions qu'on me pose souvent. Je vous envoie des croquis mais c'est peut-être pas suffisant, et le problème c'est que dans ces tenues c'est vraiment au centimètre près, donc il faut vraiment pas se planter dans les mesures. Donc je vais faire ça, ça va peut-être vous aider je pense. Et je pense faire aussi une autre vidéo pratique pour vous apprendre à comment fixer les chapeaux. Donc on me le demande assez souvent, il y a une technique particulière, donc je vais vous l'expliquer en vidéo très très prochainement, je vous promets. Et si vous avez d'autres idées pour des vidéos pratiques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et la prochaine collection qui est en route déjà et qui est pas mal avancée, donc je pense la finir très prochainement, c'est une robe en soie sauvage, un petit indice avec Fuku, 1880, fleurs brodées noires, paillettes, robe de soirée. Voilà voilà tout ça, j'ai hâte de vous la montrer. Donc j'ai parlé de TF1, de la vidéo, de la carnetette, collection. Ah bah j'ai fini. J'ai tout fini. Tout fini. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivie. Donc je ferai plusieurs vidéos sur le point courant de l'année pour vous tenir informé des avancées tout simplement. Et merci à tous de me suivre et merci à tous de m'écrire tous ces commentaires et ces messages qui me font chaud au cœur à chaque fois. Ça me motive à continuer et à faire encore mieux pour les prochaines collections. J'ai plein d'idées, plein de projets et j'ai hâte de commencer cette nouvelle année avec vous. C'était Madame Augustine pour vous servir. J'ai un chat sur l'épaule.